Moi, j'ai un petit rapport un peu spécial au développement personnel. C'est-à-dire qu'avant, j'introduisais cette chanson en disant que les journées où je me sentais un peu pas terrible, je me sentais un peu merdique et tout, pas bien, après des concerts pas terribles ou quoi, j'allais à la Fnac, dans le rayon justement où il y a les bouquins de développement personnel, mais je regardais pas les livres, je regardais les gens qui regardaient les livres. Et ça me faisait du bien. Après, tu peux aller voir un peu sur quoi ils se questionnaient. Sur... Bon. C'est un truc qui est assez. Ça rassemble, quoi. Et en même temps, à l'époque, j'avoue, bah, vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ça. Je me suis réveillée un matin, j'étais chez un jeune homme, et il y avait plein de bouquins dans la chambre partout. Et pour essayer de sortir de la chambre, j'ai fait tomber des livres, et du coup, je me suis retrouvée avec un livre dans les mains pour dégager le passage. Et sur la couve, c'était marqué « Trop intelligent pour être heureux ». Et c'était l'adulte surdoué, voilà. Non, le titre, c'était « L'adulte surdoué », et en dessous, c'était marqué « Trop intelligent pour être heureux », voilà. Et en fait, moi, ça m'a. Il se levait tard, lui. Et donc, j'ai eu le temps de beaucoup cogiter sur cette couve en me disant, est-ce qu'il a acheté ce bouquin tout seul, pour lui? Est-ce que. Enfin, tu vois, toutes les questions qu'on peut se poser à ce moment-là, quand même. Bon. Et voilà, et un peu en réaction à cette couverture, moi, ça m'avait bêtement énervé. Je m'étais dit, ouais. C'est de la merde. En gros, hein. Je me souviens pas très bien, en fait, c'est loin. Mais bon, quand il s'est réveillé, j'avais une chanson à lui chanter. Voilà. Plein de questions et une chanson à lui chanter. Voilà. Mais après, le temps qu'on vient de passer confiné et tout ça, je dirai plus jamais rien de ma vie sur le développement personnel. Voilà. Y a pas de ça. On va essayer, hein. Comme tout depuis le début, de toute façon. Le livre sur l'adulte surdoué, ça m'étonnerait que tu l'aies acheté. J'ai pensé qu'on te l'avait offert. Imaginez l'anniversaire, ça se voulait sûrement élogieux. Mais regardez un peu mieux, ça a quand même dû jeter un froid. Vu que sous le titre y a marqué ça, trop intelligent pour être heureux. Chaque fois que je m'allonge dans ton pieu, il me regarde du haut de la pile de bouquins et ça m'horripile. Trop intelligent pour être heureux, et moi comme une conne au milieu de ton cerveau, de ton royaume, à constater les symptômes. Je sens bien depuis qu'on se connaît cette bataille de tous les instants, recherche de stupidité et déguisement d'ignorant. Le pathétique nique la raison quand tu te donnes le mal d'être con pour que notre amour reste une bêtise, une blague, une porte, une friandise. On n'a jamais fait ça pour moi. Et si j'ai ma place dans tes bras, promis, je m'appliquerai moi aussi à t'aimer comme une abrutie. Trop intelligent pour être heureux, il va voir cet auteur de mes deux où on se la fout sa théorie, ça se cultive la connerie. Trop intelligent pour être heureux, on se fera notre livre à tous les deux. Je vise peut-être haut, mais je nous projette en recueil de vanneaux toilettes.